Alors c'était comment ce road trip? On a tout donné en très peu de temps. On a beaucoup conduit. L'accueil des district managers de Starbucks à Philadelphie était vraiment extraordinaire. The butter and the cookies taste fresh. Awesome! We want to come to Paris! On a quand même mis le feu à Indianapolis. Welcome to Indiana! Ah, on a mis le feu à Indianapolis. It tastes like a homemade cookie. It tastes like joy. Best French cookies ever. That's just what we need. Et les universités. L'université d'Indianapolis, ils étaient moins chauds, ils nous regardaient plus un peu en mode... Qu'est-ce que vous faites là? Peut-être qu'on aurait pu faire un plus gros carton. Ah oui, oui, oui. Non, ce qu'il faut, c'est de mieux s'organiser en avance. C'est rester 3 jours sur chaque ville. C'est sûr, ouais. Du coup, Antoine, tu l'imagines comment ce chapitre 3 avec ce Starbucks, il s'est validé? Qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier? C'est une diffusion dans 7624 Starbucks partout aux États-Unis. Je vois bien un départ Seattle, donc là où tout a commencé pour Starbucks, et on descend sur la côte ouest, énorme bus. Et les gens peuvent vraiment venir avec toi? Toute l'équipe. Sortir la vache géante. Des interventions surprises. Faire de la mousse au chocolat chez les gens. Des cookies. La totale, quoi. Un truc vraiment sympa à imaginer. On the road again. Okay. Parfois je pense que la scène nous fait faire des trucs.